Il n'y a pas longtemps, on recevait Carla Bruni et son titre « Mon Raymond ». Eh bien, vous aussi, Catherine, vous avez vu votre Raymond, Raymond Domenech en l'occurrence. En septembre 2009, vous avez mis en ligne une chanson qui s'appelait « Je kiffe Raymond Domenech ». Ouais, son style, son ton, il est un pec, ce Domenech. Je kiffe Raymond, oui. Et je kiffe Raymond. Eh bien, surprise, Raymond s'adresse à vous. Car, ah, c'est gentil, ça. Catherine, bonsoir. Je suis vraiment... heureux d'avoir à nouveau un contact qu'on n'a pas eu vraiment jusqu'à présent, parce que ça s'est fait par médias interposés. J'ai été interloqué quand j'ai vu cette chanson. Et moi, j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui vous a motivé? Comment l'idée vous est venue d'aller défendre l'indéfendable? Parce qu'à l'époque, j'étais complètement indéfendable, comme ça, sans peser peut-être des conséquences ou pas. J'ai trouvé ça très courageux et j'étais vraiment... Et j'en suis encore ému même quand j'en parle maintenant. Encore merci. Alors, qu'est-ce qui m'était passé par la tête? Ben, en fait, j'avais assisté, sans être du tout fan de foot, à une espèce de rage contre ce Raymond. Et puis, je lisais des interviews. Je trouvais ça toujours bien goupillé, ce qu'il racontait, bien intelligent, fin. Il ne se laissait pas faire par la presse non plus. Donc, ça m'a plutôt attiré. Et puis, en même temps... Je trouvais ça bien de prendre la défense de quelqu'un qui tout le monde se rue comme ça, voilà.